Le Camp des Stars Guyane, amazing, wonderful, excellent, glorieux, merveilleux. Vous savez, j'ai fait plusieurs camps de stars et celui-ci avait une saveur particulière. Alors, c'est pas parce que c'est la Guyane, c'est pas pour vous mousser, rassurez-vous, c'est pas pour vous mousser. Parce que vous m'avez éreinté. Je crois que j'ai jamais autant parlé en 48 heures. En tant que serviteur de Dieu et servante de Dieu, j'ai droit à la différence, j'ai droit à la distinction, j'ai droit à être mis à part. Les histoires des gens qui tombent là, c'est le cinéma. Quand tu l'as attrapé. Vous avez joie à donner quand vous avez quelqu'un qui reçoit en face de vous. Et en face, on avait vraiment des serviteurs qui avaient envie de recevoir, qui avaient envie de servir Dieu de manière agréable à lui. Et moi, je bénis Dieu parce que j'étais le premier béni de ce qu'on a partagé ensemble. Dès le vendredi soir, et sur ce que nous avons partagé, qui m'ont fait du bien à moi en premier. Surtout que le camp des stars de Guyane, j'avais un projet en tête. Et quand on est arrivé le vendredi après la prière de ADP, j'ai abordé des choses que le Seigneur met dans mon cœur. Et donc seulement c'était un camp qui était conduit par l'Esprit. C'était super parce qu'on a eu des temps d'enseignement, des temps de prière, des temps de consécration, des temps d'adoration, des temps de travail aussi. Ce camp des stars a lieu, c'est cette raison-là. Pour que Dieu puisse nous parler, qu'on puisse aussi se dire des choses. Quand on dit Dieu, on dit Seigneur, notre service commence à 8h. Et tu arrives à 8h30, tu es en fonction de qui tu sers. La prière, c'est pas lui qu'on fait avec l'âme. Que ce soit avec l'esprit. Amen. Et ton esprit n'est pas hypocrite. Ton esprit obéit à Dieu. Mon âme, elle est heureuse de ce que j'ai pu voir. Et donc là, je pars, je ne reviens pas avant plusieurs mois en Guyane, mais je sais qu'il y a un dépôt qui a été donné aux serviteurs des églises de Guyane et je m'attends à ce qu'il y ait une progression extraordinaire et d'entendre beaucoup de témoignages encore de ce que Dieu aura fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut fuir à la destinée? On va t'appeler Jonas, si tu es que tu t'appelles pas Jonas. Ce que le Seigneur cherche d'abord, c'est pas quelqu'un qui est, c'est pas un serviteur compétent, c'est un serviteur fidèle. Je suis juste très content de ce camp des stars et à l'année prochaine, si Dieu veut.